je m'ennuie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Récemment, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez rien à faire ou quand c'était vraiment une période d'ennui total. Fait que j'ai lu toutes vos réponses et je me suis dit que ça pouvait peut-être ressembler un peu à ça. Je sais pas pour vous, là, mais moi, la première chose que je fais quand je m'ennuie, c'est de manger. N'importe quoi, juste manger. La deuxième chose que je fais quand je m'ennuie habituellement, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Donc ça commence avec ce que j'ai dans ma boîte d'abonnement et ça termine avec des vidéos de chat. Cute kittens videos. Ils sont trop choux! Je veux 12 chatons. Oh, un bébé chaton qui prend son bain! Évidemment, il y a aussi le shopping en ligne, tu sais, le fait de remplir son panier virtuel avec plein d'items qu'on aimerait vraiment ça avoir, mais qu'au final, ça va juste nous coûter beaucoup trop cher si on commande ça. Honnêtement, j'ai vraiment pas besoin de vêtements, mais refaire sa garde-robe, ça n'a jamais fait mal à personne. Sauf à mon portefeuille. Donc, si je commande tout ce que j'ai dans mon panier, ça va me coûter 456,28 $. Je vais être pauvre et je m'ennuie encore. C'est de mieux en mieux. Si jamais vous êtes à l'école, c'est possible que dans vos moments d'ennui ultime, vous vous dites « Bon, mais je vais faire des devoirs, je vais faire des leçons, je vais en profiter pour faire mes lectures. » Honnêtement, je m'ennuie vraiment pas assez pour faire des devoirs. Certains que vous le faites pas mal toutes, aller sur les réseaux sociaux. Des fois, ça peut vraiment contribuer à nous désennuyer. Par exemple, aller sur le Instagram de quelqu'un et regarder toutes ses anciennes publications. C'est vraiment le fun de revoir des souvenirs jusqu'à temps que ça arrive. J'espère juste qu'elle n'a pas activé les notifications sur son téléphone. Sinon, c'est vraiment gênant. Parlant d'Instagram, est-ce que ça vous arrive des fois de voir une coiffure ou de voir un maquillage et vous vous dites « je vais la reproduire puis ça va être aussi beau que sur la photo » Ouais, ça ressemble pas tout à fait à la photo, mais pour un premier essai, c'est quand même pas si mal, je pense. Évidemment, il y a aussi le classique de commencer une nouvelle série télé. On se dit « Ah, je vais regarder 2 ou 3 épisodes, puis après ça, je vais pouvoir en profiter pour aller me coucher et dormir tôt, étant donné que je m'ennuie. » Mais on sait très bien que c'est pas ça qui arrive. Apparemment que Once Upon a Time, c'est vraiment bon. Je pense que je vais commencer ce soir. 6 hours later. Je sais que ça fait 4 heures que je dis ça, mais je regarde un dernier épisode et je vais dormir après. Ouais. Si vous avez un animal de compagnie, c'est certain que vous allez vouloir prendre des photos avec lui ou de lui. Genre faire un photoshoot de chat. 3, 2, 1, cheese! Finalement, il y a les classiques fois où on s'ennuie vraiment beaucoup. Donc voilà tout le monde!
monde, c'est tout pour ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça, mais surtout que ça vous a fait rire un peu puis que vous êtes peut-être reconnu dans une ou l'autre des situations que j'ai présentées dans la vidéo. Je tenais juste à vous dire aussi que c'était vraiment plus pour vous faire rire puis un peu style parodie parce que évidemment, je fais pas ça à chaque fois que je m'ennuie puis je sais que c'est pas toutes les filles qui font ça, mais c'est des réponses qui sont venues quand même assez souvent, fait que je me suis dit que ça pouvait être drôle de faire une vidéo un peu plus humoristique. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais en faire une de ce style-là, fait que si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me le dire et à faire un thumbs up. Et là, vous avez peut-être remarqué dans la vidéo que j'avais un invité spécial avec moi. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Fudge. C'est mon nouveau chat. Ça fait à peu près 2 jours que je l'ai et c'est un grand monsieur de 3 ans. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à lui, je vous invite à aller... Oh, tu m'aimes! Je vous invite à aller sur ma chaîne de vlog parce que j'ai fait une vidéo complète avec Jay sur notre nouveau venu dans la famille. En tout cas, vous allez le voir beaucoup dans mes prochaines vidéos. C'est vraiment un gros chat qui est super affectueux puis il s'aime beaucoup. Fait que je pense qu'il va aimer ça être vu à la caméra. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé et nous, on se revoit bientôt. Bye! Tu dis bye? Bye! Bye bye bye! Oh, tu veux juste des croquettes là et toi?